Coucou mes petits culs, comment allez-vous? J'ai l'impression que... Oui! Et bienvenue pour ce nouvel épisode du DK Challenge qui commence par la naissance de la fille de Joseph. Bonjour Joseph, ici Anna. Je voulais t'annoncer la naissance d'Isabelle, une magnifique fille. Oui, Joseph, il est papa pour la première fois. Et c'est une bonne nouvelle, le premier enfant de cette génération est né. Ça y est, une petite fille. Et pour l'instant, eh bien, je ne sais pas quand on la verra. Peut-être la verrons-nous, peut-être la verrons-nous pas. En tout cas, elle est bien là. Et jour particulier parce que notre petit Joseph, oh oui, dis donc, il est bientôt, enfin dans 6 jours, il va devenir adulte. Jour particulier. Puisque je pense qu'aujourd'hui, ça va être le mariage de Joseph avec Manon, sa dulcinée, sa chère et tendre, la jolie blonde, puisque j'ai très très peur que Joseph ne passe pas jusqu'à samedi, qu'on est vendredi. Ils vont le faire aujourd'hui parce que voilà, j'ai pas envie qu'il canne en plein milieu du mariage. Vous imaginez l'angoisse. Quoique, de toute façon, j'ai tellement de chance, moi, avec les Sims, que il pourrait même canner aujourd'hui. Oh, mon Joseph, tu as froid, mais tu sais ce que tu vas faire, surtout, même si normalement tu devrais travailler. D'ailleurs, donc c'est dans le travail. Tu vas prendre un jour de congé. Puisque tu as déjà le droit d'avoir 3 jours, il va pas travailler comme ça. Il pourra se marier tranquillement avec sa dulcinée. Hey Et ça, Wes, c'est cool! J'ai chubby hâte! Sturka. Notre vieille Gigi qui est de... Bah oui, maintenant elle est devenue vieille Gigi. Bon, je vais pas trop relooker pour l'instant. Je relookerai peut-être plus pour la prochaine fois. En tout cas, elle a enlevé sa petite guêpière là qu'elle mettait la nuit. Bon, pas non, je déconne. Voilà, elle a quand même l'esprit baba cool hippie, hein, donc pour l'instant, voilà. Et bien sûr, dans le dernier épisode, nous avons eu notre Geneviève qui attend un petit bébé aussi de son côté. Il y a moyen que elle parte aussi aujourd'hui. Donc je pense qu'il va y avoir un grand, grand, grand vide dans cet épisode. C'est Joseph qui part avec sa dulcinée, puis Geneviève avec son Samuel. Et peut-être qu'aussi Florent va partir. Donc ça va faire très, très, très peu. Voilà, il va y avoir du mouvement aujourd'hui. Au moins, ça fait longtemps aussi qu'on est dans les années 70 maintenant et que de toute façon, on attendait que ça bouge. Donc ça y est, ça bouge enfin. Geneviève, il faudra que tu appelles du coup ton mec. Tu vas manger après et puis tu l'appelleras pour que vous puissiez au moins un peu vous fiancer, tout ça. Voilà, Samuel. Pendant ce temps-là, notre héritière dort. Je vais la faire se lever parce qu'après, elle va pas pouvoir se préparer. Mac, c'est mignon! Mac, vous êtes trop cute, un petit baiser passionnette. Chuchoté à propos d'Ananana. Pourquoi elle est là? Ananana. Ça fait que maintenant elle est maman, Joseph et papa. J'allais dire Joseph et maman aussi, mais non, pas du tout. Amour, demandez d'être son petit ami. Ça devrait être bien, tu vas partager la grande nouvelle, même si tu lui as déjà dit pour moi, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais vous êtes des mamours, les petits là. Les vieux sont quand même mignons, ils montrent l'exemple pour les enfants. Waouh! Réputation extraordinaire pour Gigi! Ouais, ben, grand bien t'en fasse, ma belle. Et, ah, ben voilà, autant il y a des trucs qui vont dans tous les sens. Mais, pour. Oh mon dieu, non, Florent! Oh, je suis tristesse, Florent va partir. Joseph, c'est bon, tu es rentré. On va passer à l'étape mariage. Donc, tout de suite, à bientôt. Ok! Tout le monde est content. Tout le monde est bien habillé, sauf la mariée qui n'a pas du tout la robe que je lui ai préparée. Donc, elle va tout de suite se changer. Demande à avoir une tenue habillée. Tout le monde est bien là. Et regardez où nous sommes. Nous sommes. Ah ouais, ben là, on voit pas. Nous sommes à ma maison d'église. Alors, mon Dieu, pourquoi il y a des lampions partout là? Ça gâche tout à chaque fois. Moi, je suis pas contente. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, le Spielbeat est dispo sur ma chaîne. C'est la petite église des campagnes. Et elle est bien sûr dispo aussi dans la galerie. Donc peut-être que je vous mettrai un petit lien dans la description, il faudrait que j'y pense surtout. Et j'ai adoré faire cette petite église et elle est
parfaitement pittoresque. C'est pour ça que je le marie, mes Sims, en tout cas dans le Decade, parce que je trouve que ça se marie très très bien. On a un tout petit espace ici pour que la cuisine se fasse et tout ça, et c'est très très mignon. Mais ça, vous le verrez dans le Speed Build, si c'est pas encore fait. Et puis, ben, tout simplement, on va aller à l'intérieur. Regardez-moi de l'église. Qu'est-ce que c'est mignon! Voilà, tout le monde va venir s'asseoir tranquillement. Voilà. On a aussi invité la famille de Florent, qui n'est pas encore canée. Voilà, on va voir aussi la petite tenue de la mariée. Regardez comme elle est mignonne avec son petit bidou! Le petit bidou! Oh, c'est trop cute! Regardez-moi ça, ça prend place là. C'est trop beau, je vous le dis. Bon, il y a d'autres qui... Bon, ils commencent déjà à bouger leur derche. Nadine, tu fais quoi? Nadine, tu viens t'asseoir. À un moment donné, ça suffit. Elle a appelé son chéri. Voilà. Ah, nous avons un artiste. C'est Clément qui joue de la guitare. Ok, très très bien. Arrête de faire ton vieux Florent et assis-toi. Mais c'est pas possible, ça commence déjà à partir en steak. Moi, les mariages, hein. Mais non, là, assis-toi, je veux pas ça, je veux ça. Allez, hop. Vous allez vous asseoir, les vieux, là, vous allez. Je la vois, elle est enceinte jusqu'aux yeux, donc ça me fait rire. Voilà. Voilà, vous allez exprimer vos. Vous allez vous faire des mamours tous les deux, hein. Les vieux. Voilà, en notoriété. Nadine, je t'ai dit de t'asseoir. Oh là 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 là. Regardez Jonas et tout ça, ils sont là. Bon, toi, tu t'es assis, mon petit. Tu vas faire un bisouche à ta future. Ah oui, il faut faire en sorte que les fiancés. J'avais complètement oublié notre petit événement, n'est-ce pas? Et les trucs qui doivent se passer. Ah, c'est la saison des bébés, hein. Ça y est, ça pop de partout, faire plein d'enfants, que voulez-vous? Tiens, Irène est là, c'est super. Il a fait des bisous, tout ça. On va remercier les gens d'être là, quand même. Non, bah non, pas elle. Tu vas remercier ta tante, peut-être. Je sais que Marcel est dans le coin aussi. Ah bah, il doit être là. Bah là, c'est les oncles et tout ça. Mais c'est mignon, ils font des câlins et tout, entre cousins, cousines et tout. Bah, j'aime trop ça, c'est trop mignon. Alors, Hélène, t'as invité aussi un copain. Un copain, tu as invité, mais peut-être qu'ils sont en cours, hein, parce qu'il y en a qui sont encore des adolescents. Alors, non, il y a Lionel qui est là. Ah non, c'est Mathieu. Alors, Mathieu, c'est pour elle. Et il est toujours ado. Ça, c'est chiant quand même, hein. Ah bah, il est là, Marcel! Alors Joseph, tu viens dire bonjour à Marcel. Toi, tu vas venir enlacer ton frère. Ah, puis alors ça sent le sapin, hein, dans la famille. Hein. Ils sont tous vieux. Ça commence à faire mal, hein, tout ça. On les a vus petits, on les a vus bébés, on les a vus grandir, et puis voilà ce que ça donne, quoi. La mariée est magnifique, en tout cas. Bon, allez, on va s'asseoir. Joseph, par contre, je t'avais pas mis cette tenue-là pour te marier non plus. J'aime bien que tu aies un costard. Non, c'était pas cette tenue-là non plus. Pour. Excusez-moi, excusez-moi. Je bip de partout. C'est cette tenue-là. Ah ben, on est dans le. Alors, ok, il se marie, mais bon, hein, on reste quand même. Bon, alors oui, il a la grosse barbe, hein, maintenant. Joseph, c'est un homme. Il se marie, mais c'est pas encore le tuxedo, quoi. Voilà, la mariée, elle est ok avec une jolie robe, mais on n'est pas pour le marié qui, lui, ben, préfère ne pas avoir de petits trucs là, comment ça s'appelle, de costard. Bon, regardez-moi comme ça, maintenant c'est le bordel, mais ils sont mignons. Oh, oh, c'est beau. Allez, on se marie. Elle a son ventre qui est encore plus gros à la petite Manon. Vous vous mariez quand vous voulez, les enfants. Nous, on est prêts. Moi, je suis prête pour faire les photos, tout ça. Ça y est, on est parti. Ça y est, c'est le mariage. Oh, Joseph! Attendez, oh là, j'étais pas vraiment en mode table. Bon, vous regardez la cérémonie, les gens? Oh, j'adore ses mains. Elles m'ont exploré de partout. Ouais, je sais, ouais. Je sais. Oh, mais c'est trop mignon. C'est pour ça que j'aime trop marier mes Sims, moi, parce que c'est vraiment une cérémonie qui est cutissime, quoi. Oh, ils vont être heureux, ces enfants.
Ok, j'ai été niquer deux autres femmes juste avant toi, dont ta sœur, mais... Je jure de n'aimer que toi, Manon. Ah, mon Joseph, je te mets cette bague qui va... Comme ça, je pourrai te gouverner. À jamais. Ah oui, roulons-nous des pelles. Oui, 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 oui. Bravo. Bravo. C'est le feu d'artifice. Eh bien, on peut toujours aller ici ensemble et admirer le feu d'artifice. Parce que maintenant, c'est place à la fiesta. Oh, puis c'est un miracle, hein. Le gâtal de mariage est frais. Et fait, mon Dieu, c'est-à-dire que le traiteur, il a vraiment fait son taf. Ah, pour une fois, ça fonctionne. Génial. Mon petit Joseph, tu vas venir ici couper la pièce montée. Que tout le monde vienne ici, d'ailleurs, ce serait bien. Ah, Hélène. Prendre des congés payés. Ouais, c'est le mariage de ton frère, on t'en voudra pas, ma belle. Sinon, ce serait dommage. Vous pouvez venir tous ici, s'il vous plaît. Voilà, ici ensemble, je sais pas qui est là dans son groupe, mais bon. Oh là là! Bah Monique! Monique, t'as chié dans le pâté. Ah, y a rien pour se laver en plus, là, dans le coin. Parce que la fontaine, tu peux pas y accéder, ma belle. Donc là, elle s'est fait dessus, bah voilà, elle est toute sale. Ah, mais Denise, t'as accouché? Ah, bah c'est une bonne nouvelle. Alors, mais j'ai pas vu la pièce montée, moi. Bon, bah, en tout cas, voilà, la pièce montée. Par contre, où est notre traiteur? Oh, tant pis, tu peux nous faire à manger, s'il te plaît. Oui, bah non, c'est pas le marié. On va dire que c'est Gigi qui va s'en occuper, parce que... on va prendre du truc végétarien. Poulet de tofu, tofu. Oh, mais non, la mariée aussi, elle s'est pissée dessus. Oh, mais non. Ah bah franchement, hein, c'est hippie, hein, c'est comme ça, hein, ça fonctionne pas. Oh, c'est triste. Oula, je pense que le petit Joseph va être papa très bientôt. Samuel va devenir de petit ami de Geneviève. Oh là là, oh bah, c'est pas possible, c'est toutes les femmes enceintes se pissent dessus. Ah mais quel enfer, tu vas raconter des ragales. Bah des ragots quoi, des ragales. Baisers suaves. Oh là 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 là. Est-ce que tu veux bien épouser Samuel? Tu vas lui demander s'il veut bien se marier. C'est un jour de mariage aujourd'hui. Et puis, ça pourrait être bien. L'Hélène, est-ce que tu le trouves sympa, le petit Lionel? Moi, je le trouve mignon. Vous n'étiez pas trop d'accord dans les commentaires. Ah bah voilà. Ah, il déteste les enfants. C'est dommage. Attention, attention, demande en mariage. Et oui! Eh bien, c'est parfait. Oh, mais c'est trop cool. Eh bien, vous savez quoi? Je vais les marier tout de suite. Ah, moi, je vous ai dit, aujourd'hui, on fait le ménage dans la maison. Du coup, tu vas te marier avec Samuel tout de suite. Voilà, les deux aînés vont se marier. Toutes les filles enceintes se sont pissées dessus. C'est la folie dans les Sims chez les deux Saint-Paul. Parce que moi, je me disais... La petite Hélène, elle pourrait faire un petit bébé avec lui. Un petit roux, peut-être. Hein. Et ensuite, faire des petits bébés avec un autre. Ce serait bien d'avoir deux hommes différents qui... Ah, oh, oh, bah, je crois qu'elle s'est un peu plantée. Amour, tu vas te rattraper quand même, ma belle. Geneviève? Mais, va te marier? Oh, je sais, tu pues, là, c'est... C'est un carnage. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là, attention, hein, ça rigole plus, ça joue de la musique, mais mal, hein. On a mal aux oreilles. Hein. T'es toujours ado, toi? Quand est-ce que tu deviens jeune adulte, que Chantal elle puisse copuler avec toi aussi? Oh là là, Gisèle, elle a trouvé réconfortant. On trouve en dormir sur le banc. Mais quelle angoisse. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Bon, on fera abstraction que la mariée... Pue la mort. Allez, c'est la période hippie. Hein. Ils sont sales. Ils sont enceintes parce qu'ils ont copulé avant. On est loin, loin, loin du mariage obligatoire avant de faire quoi que ce soit. Hein. Voilà, maintenant, c'est la période hippie. On est sale, on pue, on fume, tout ça, tout ça. Ah là là. C'est trop mignon. Ça va, Jonas? Tout va bien?
Regardez-moi ici qui sont trop mignons, ces petits. J'espère que vous serez heureux, Geneviève et Samuel. Et dire qu'au départ, j'aurais pas voulu de lui, mais je l'ai tellement bien retouché, ce gamin, que franchement... Alors, jeune marié, souhaitez-vous qu'ils emménagent ensemble? J'ai envie de dire oui. On va dire donc au revoir. Bah, je pense que là, c'est Joseph qui s'en va. Adieu, Joseph. Oui, c'est Joseph qui va donc partir et rejoindre sa Dulcinée qui vivra avec Monique aussi. Et c'est la même famille, j'hallucine. Et Mathieu qui sera le père de l'enfant de Chantal. Ils vivent tous dans la même maison. Je pense que je vais les séparer après. Je vais emmener Joseph et Manon. Ils iront vivre avec leurs enfants ou peut-être des enfants de Joseph, tous dans le même foyer. Et puis nous, ça nous libère un peu de place aussi. Oui! Attendez! Mais alors, ça y est, tu t'es mariée? Récompense gagnée. Nadine passe par une phase. Elle est en train de se marier. Ok, très bien. Je vais repasser sur un membre de la famille que je sais qui reste là. En tout cas, ils ont changé de fringue. Bah oui, parce que le mariage étant fini. C'est pas grave. On a moins l'impression qu'elle pue comme ça, Geneviève. C'est quand même peut-être mieux. Hein. Regardez-moi ça. C'est trop cute. Oh, regardez, il se marie. Hein. Oh, c'est trop mignon. Ouais, puis, mais les fringues... Ce n'est pas du tout. Oui, bravo, bravo, braval. Voilà, c'est l'amour. Et voilà, et maintenant, ils vont emménager ensemble et c'est Geneviève qui va partir loin de nous. Cette fois-ci, dans le foyer dans lequel Geneviève va, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a Edouard, qui doit être du coup le père de Samuel. Et vu la gueule du père, à mon avis, c'est pour ça qu'il était moche. Mais c'est bien, elle aura une maison, elle pourra repeupler la maison avec son mari. Et bon, là, elle en a qu'un, mais j'irai peut-être lui en refaire faire un petit deuxième. Comme ça, je vais tricher un petit peu. Et notre petit foyer va se résumer à ça, à 5 personnes, sous réserve que, eh bien, Florent ne meurt pas tout de suite. Ah bah, il y en a une qui est contente. Et c'est Hélène. Oh là là, oui, ça fait pas beaucoup de monde. Tu vas faire un gros câlin à ton papa. Est-ce que tu veux faire un gros câlin à ton papa? Oh, mais regardez comme il est classe, Lionel. Oh non. Moi, je dis que elle pourrait bien faire un petit bébé avec lui. Après, je préfère vous le dire tout de suite. J'enregistre en avance les épisodes puisque je vais partir en vacances. Au moment où vous regardez, je pars le lendemain. Donc forcément, j'enregistre déjà à l'avance. Donc malheureusement, vos propositions ne seront pas écoutées. C'est malheureux. Mais maintenant qu'il y a de la place... parce qu'en fait, moi, je m'étais dit qu'elle ferait peut-être un bébé ou deux avec lui. Et après, on irait voir avec Doran, qui est devenue jeune adulte maintenant, ça y est. Ou dans quel sens je fais? Est-ce que je fais le métis avant et le roux après? Pour rester un peu dans le... Ouais, ou alors roux avant, métis après. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois, je pense. Puisque là, on va rentrer à la maison... Ah! Eh ben, il y en a qui sont contents. Par contre, je savais pas que je vous avais mis le même costume, les filles, là. Donc, mes filles, vous allez rentrer à la maison. Est-ce que notre Daifi National est encore là ou il est parti? En tout cas, la maison est bien vide, ça, c'est sûr. Je ne le sens pas pour Daifi. Non! Ils ont viré encore une fois Daifi. Ma belle, il va falloir aussi que tu fasses le jardin parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Daifi est revenu. Oui. Non, 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 les vieux, ressortez du lit, là. Florent, sors du lit. Florent, vous allez vous faire des mamours, c'est peut-être la toute dernière fois. Donc, Florent, bon sang. Mais non, mais arrêtez. Oh là là. Mon pauvre Florent. J'ai peur pour la suite. Ma. Qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que sont mignons, ces enfants. Allez hop! Vite, vite, vite! On fait des galipettes dans cette maison qui sera uniquement féminine bientôt quand Florent partira. Aïe, 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 aïe. Bon, eh ben écoutez, je pense que le prochain épisode, on pourra dire adieu Florent. Pour le coup, on a dit au revoir à Joseph et à Geneviève et à leur petit bébé qui était là.
Florent n'a pas eu l'occasion de rencontrer Isabelle, sa première petite fille, et peut-être pas les autres non plus. Mais bon, prochaine étape, ça sera à la petite Chantal et peut-être aussi Hélène d'enfanter. Moi, je vous embrasse très fort. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à me rejoindre sur les réseaux sociaux dans la description et à regarder les petites publicités. On va y arriver. Tout le tout sur YouTube. Le tout est dans la description. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Decade Challenge. Allez, salut.